dit, fidélité, mon Dieu, sous âme. Là, les âmes n'ont bloqué. Quel que soit champ économie en vini, pas peur, parce que m'bloqué. Quel que soit champ maladie à vini, pas peur, parce que m'bloqué. Quel que soit ça, dit dehors, pas peur, parce que m'bloqué. Bible a dit, fidélité, mon Dieu, son bouclier, qui paraît flèche, qui paraît sam, qui paraît coup, qui paraît roche, qui paraît quel que soit lié, quel que soit allié. Nous sommes pour tout, rentrer dans le monde spirituel, rentrer dans le monde de la foi, rentrer dans le registre du combat spirituel, et pour tout croire dans sa bonne Dieu. Les dit l'avant, quoi la veille, les dit camper, quoi le camper, les dit pas mourir, quoi pas mourir, les dit pas atteindre, quoi pas atteindre, les dit pas affecter, quoi pas affecter. Sa fidélité est un bouclier. Mesdames, Messieurs, salut. Nous allons continuer avec une série de messages nous sur le psaume 91 autour du thème « À l'ombre du Tout-Puissant ». Nous espérons que nous sommes bénis et nous encourager pour capable suivre série et partager avec vos amis, avec vos familles. Et ça va pour vous-même, une source de grâce et de riche bénédiction. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cela fait déjà 3 semaines depuis que nous commençons une série de messages autour du psaume 91. Donc, nous prenons tout nez sous sa bon Dieu, mais sous que nous matin encore. Et dans les minutes qui nous sont allouées, nous avons demandé bon Dieu pour capable aider nous de manière pour nous capable aider comprendre eh bien ces choses-là. Donc, moi, invitez-vous pour capable ouvrir Bible ensemble avec moi dans psaume 91. Je crois que nous avons déjà chanté. Nous sommes en disposition pour nous recevoir la parole de Dieu. Donc, nous rentrons dans psaume 91. C'est là que nous y est. Matin, hein, dans psaume 91, et pour les besoins de la cause, nous allons lire les versets 1, 2, 3, 4. Versets 1, 2, 3, 4. Donc, et c'est là que nous y est. C'est là que nous y est. Dans psaume, dans psaume. Et cet après-midi, que nous allons focaliser et attention sur versets 3 et 4. Là, nous avons passé les 2 premières semaines à regarder de près les versets 1 et les versets 2. Nous allons concentrer attention sur verset 4 là dans le moment ça. En nous lit parole bon Dieu, mais qui ça dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Papa, nous qui habitons dans le ciel, là, c'est le temps de la proclamation. Moi, m'en dis aussi, s'il te plaît, pour capable ensemble avec serviteur, pour capable en moins des révélations, des illuminations, et ce que j'ai préparé pour capable faire au-delà, pour capable ramener à l'esprit les choses comme pas possible et permettre que pendant ma parler, le Saint-Esprit soit là. Et que le Saint-Esprit opère, le Saint-Esprit travaille dans le cœur de tes enfants de manière à créer en eux la foi et la confiance en un Dieu fidèle, le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci de ce que tu es réel pour nous, de ce que tu es vivant. Maintenant, tu feras au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. Fais-nous du bien car nous comptons sur toi. Dieu Père, je t'appelle. Dieu Fils, je t'invoque. Dieu Saint-Esprit, je t'interpelle. Enseigne-nous toi-même les vérités de la parole, car nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Thank you, Lord. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, le monde est un environnement hostile, un espace dangereux. La notion de frontière est un concept qu'on comprend géographiquement, mais au point de vue culturel, elle est une réalité à la voix vague et floue.
La globalisation a ses avantages, mais elle vient aussi avec ses malheurs et ses inconvénients. Quelque chose de régional peut devenir dans un temps record un phénomène mondial. Mes enfants grandissent rapidement. Samy va bientôt rentrer dans l'adolescence et je commence, comme tout parent conscient des réalités sociales, à éprouver quelques inquiétudes. J'ai grandi dans les années 80. Le monde était bien différent de celui-ci. C'était le temps des jeux inoffensifs, jouettes maman, papa, lago, caché, lago, délit, sauter code. C'était pas encore le temps de l'informatique, des vidéogames. C'était pas encore ce temps-là, mais c'était le temps où l'innocence de l'enfant était protégée. Mm-hmm. C'était le temps, je dis, des jeux inoffensifs. De mon temps, la pudeur, le sens de l'honneur, le respect de la vie humaine étaient des valeurs fondamentales. On parlait encore, et on parle aujourd'hui, de certificats de bonne vie et mœurs. J'ai grandi avec le sens de la vie normale. Et déjà, Michel Sardou chantait « Le monde où tu vas, mon garçon, je ne le connais pas et je le crains ». Moi, j'ai été élevé avec les idées d'après-guerre. Tes grands-parents étaient certains que leurs enfants feraient mieux qu'eux, comme les ruisseaux font les rivières. Aujourd'hui, c'est la route à l'envers. Le monde où tu vas, mon garçon, je m'y perds. Avec ces instabilités et incertitudes, la vie présente parfois des scènes qui inspirent, des scènes qui motivent, des paroles qui encouragent et donnent lieu de penser à un ailleurs différent. Un espace béat, un temps meilleur. Des choses qui vont au-delà des fatalités du présent et même une parole qui nous garde en temps de grandes inquiétudes. Comment donc vivre dans un monde si dangereux et rempli d'incertitudes? La Bible nous propose une réponse et nous dit « Le juste vivra par la foi ». Une foi qui est plus qu'un credo. Une foi qui est plus qu'une croyance, plus qu'un assentiment intellectuel. Une foi qui est confiance en Dieu et en sa parole. Nous revenons encore à la charte dans ce troisième message de la série sur le psaume 91 et nous parlerons autour du thème « I'm covered ». Hermann Genko est le théologien allemand du 19e et 20e siècle qui a fondé la « Formgeschichte ». C'est une méthode d'analyse critique des formes textuelles aussi connues pour ses travaux d'analyse des livres de la Genèse et des psaumes. Depuis, plusieurs additions sont émises, mais son approche a beaucoup aidé à mieux comprendre le sautier ou le livre des psaumes. Il a fait remarquer qu'il existe plusieurs types de psaumes. En fait, quand tu lis le livre des psaumes, on peut remarquer qu'il y a plusieurs types de psaumes. Il y a les psaumes de pénitence, il y a les psaumes de lamentation, il y a les hymnes, les louanges, les actions de grâce, les imprécations. Côté l'auteur maudit ses ennemis. Il y a les psaumes d'intronisation. On parle aussi de psaumes royaux, de psaumes messianiques. Il y a les sapientia, c'est-à-dire des psaumes qui parlent de la sagesse, nous en reviendrons tout à l'heure, et on parle aussi des chants de confiance. Un bon nombre de commentateurs et d'interprètes bibliques mettent le psaume 91 dans la catégorie des psaumes de confiance, des chants qui proclament la confiance des Hébreux et des croyants par extension en Dieu. Somme ça, fait-nous comprendre que nous qu'a fait Papa Bon Dieu confiance en toutes circonstances. On peut faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Il t'a semblé, moment côté petit, bon Dieu t'a doué manifester leur confiance en Dieu plus fortement, ce sont les temps de grise, de crise et de grande adversité. Certains admettent toutefois, dans le psaume 91, qui est un chant de louange, comme nous l'avons tantôt mentionné, certains admettent toutefois un élément de la littérature sapientiale. Parce que là, l'auteur du psaume interpelle les adorateurs non seulement à une confiance dans une liturgie bien réfléchie, mais il relève-nous également à la sagesse. La sagesse, c'est connaître comment la vie a fonctionné et plutôt rentrer dans le courant de la vie. Moun qui prend gros choc,
moun ki kofre, se moun ki toujou gen tendance a ale a l'encontre des principes de la nature, a l'encontre des lois établies. Donc, au moun ki gen sagesse, là, non seulement apprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne la vie, comment le monde opère, et non seulement la apprendre ça, mais la fait de son mieux pour qu'elle soit capable de ranger la ville, allier ville pour qu'elle capable suivre ça qui dit et selon les lois de la nature. Stay with me now. Donc, ou capable de remarquer, et j'en dis, c'est une liturgie bien réfléchie qui gagne en pile appel à la confiance en Dieu, mais il y a là dans tout, et ça nous relaie un élément de sagesse, un élément qui faut comprendre, mais comment ça y est. Ou son j'aime te dire que les deux premiers versets, ils ont résumé toute somme dans son somme qui parlait de la sécurité du croyant, de la sécurité de celui qui cherche en Dieu force, refuge et protection. Maintenant, si dans les deux premiers versets, on a l'énoncé, on a le résumé. Maintenant, à partir du verset 3, nous avons le développement. Stay with me now. Et le verset 3, il introduit une nouvelle partie du psaume. Le texte, comme je vous l'avais dit, nous est présenté dans une structure dialoguée qui intercalait plusieurs voix. La voix qui parle au verset 3 semble indiquer celle d'un maître, de mentor, de quelqu'un qui a vieilli sur le harnais, de quelqu'un qui a une certaine expérience, qui parle à son protégé, à son élève, et plutôt la balle, une leçon de sagesse. L'Ifin dit, dans deux premiers versets, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et plutôt dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, et dans verset 3, il commençait un autre segment. Il commençait segment ça qui gagne instruction là-dedans. Il commençait segment ça qui gagne des paroles de confiance. Et il commençait de la manière suivante. Il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et puis tout le dit dans verset 5 là, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La première remarque qui nous vient à l'esprit, l'ennemi texte, c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs. La première remarque qui nous vient à l'esprit, c'est la réalité des pièges. Le monde, la vie que nous vivons là, il y a pile piège là-dedans. Et il y a une réalité qu'on a besoin qu'on ait, il y a un piège. Pas tape yon piège si son bagage ou te kawe. Généralement, yon nan fonctionnalité, yon nan jan piège fonctionné, piège là, c'est l'on prend la dan ou qu'on est. C'est l'on tombe ou rend nous compte te gon trou. C'est la piège ou prend nan lion ou rend nous compte lion nan te là. Maintenant, faut comprendre que pour moun qui te grandi à la campagne, te gué yon oiseleur, c'est un moun qui exerçait le métier de capturer des oiseaux. Et comment il le fait? Il mettait façon pour le faire, où il y a un piège. Des mouns qui connent mettre filet, des mouns qui j'aime petit moun mal à la campagne, des l'autre petit moun qui connent faire en sorte de petit bois, et puis tout le mettre au petit maï, et puis tout pendant bête la venir, la approcher, et puis tout garder bête la prendre dans lian, c'est comme ça que fait, pendant la petit bois, ça fait au contenté, yo une expression, moun parler, yo dit ou comme ça, et tel prenant pelle. Donc, où doit qu'on est, dans la vie, il y a la réalité des pièges. Et les pièges ne sont pas toujours remarquables. Ou pas toujours wayo. Ou pas gagé pour wayo. Si, aïe, moun qui a mette piège là, te mette côté pour te wè. Si moun tap mette piège là, li te mette aux yeux et aux vues de tous. Pas gagé moun qui tap tombé là-dedans. Mais texte avait fait me comprendre. Quand je suis endormi, quand je suis à la maison, quand je suis avec ma famille, il y a des ennemis qui me tentent des pièges. Des mouns qui tentent des pièges. Des mouns qui voient pour figue. Des mouns qui tentent, qui l'est pour y entendre ou prendre un pelé. Bible a dit, alléluia,
que dans le texte, il parlait de la réalité des pièges. Et me sentir tout naïf en pile. Pourquoi que dans la vie, ou pas jamais prendre un piège, ou bien moun pas jamais mettre piège pour vous, ou bien ennemi pas jamais mettre piège pour vous, ou bien diable pas jamais créer une situation. Non. Diable compte comment pour créer une situation. Des fois, il passait en haut, des fois, il passait en bas, des fois, il vient quand on pas jamais penser. D'après mon comprendre, la réalité des pièges, et depuis ces moun qui vivent, ou faire face à une situation de piège, tôt ou tard. Ou faire face à une situation de piège. Les pièges viennent des humains. Les pièges viennent de Satan. Les pièges viennent de toute part. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur. Mais en fait, dans le texte, plutôt dans ces deux versets, il y a deux dangers. Il y a le danger du piège. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur. Mais il y a aussi le danger de la peste. Le mot hébreu pour peste parlait littéralement de yon pandémie ou bien yon épidémie, yon maladie qui a marché fait dégâts, yon maladie qui a marché fait ravage, yon maladie qui a tué moun, qui a valé moun, qui a fini avec moun. Non, naturellement, ces choses ont toujours existé, mais nous assistons depuis quelques semaines à une réalité jusque-là inconnue. Ce que nous vivons, le monde ne l'a jamais vécu avant. Pour que j'aime un moment où le monde entier est à genoux face à un virus qui ronge, qui isole et qui tue. La réalité des pièges, la réalité de la peste. En fait, nous sommes dans le registre de la poésie, dans le registre des psaumes. Il y a des gens qui t'a pensé que en fait, yon n'a pas besoin de considérer, l'auteur lui utilisait des métaphores qui sont figures de style, en figures de rhétorique pour parler de ces dangers. Et me saute expliquer rapidement, il y a le danger de la peste, il y a le danger des pièges. Danger peste là avec danger peste là. Ça qui drôle, stay with me now, ça qui est intéressant dans le texte là, c'est que dans le danger piège là, l'ennemi est visible. Mais dans le danger peste là, l'ennemi est invisible. Tu ne vois pas ce qui te frappe, mais tu es frappé. Tu ne vois pas ce qui te tue, mais on te tue. Donc il y a cette réalité. Et me senti que l'auteur a pris seul pour choisir ces deux dangers, ces deux menaces, pour mettre devant nous la coupe. La globalité et la complétude, la globalité de cette réalité de danger auquel nous sommes exposés jour et nuit. Danger visible et danger invisible. Viens alors ma question. Le texte dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Viens alors à la question. Moi-même, problème, moi, dans le texte, je me suis senti plus confortable. Si le texte te dit, c'est lui qui te préserve du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'étape fait me sentir plus à l'aise si le texte te parle de préservation. Stay with me. Mais le texte ne parle pas de préservation. Le texte parle de délivrance. Ça qui voulait dire, dans le texte là, l'enjeu c'est que Mouna prend en parler. L'état fait me sentir plus bien. Si mon Dieu te dit, il n'y a pas ta jambe qui t'aime, prend en parler. Mais dans le texte là, oiseau a pris en parler. Serviteur a pris en parler. Servante là, prend en parler. Prédicateur, prends en pelle. Et ça doit non pelle. C'est que pelle, généralement, il y a pelle que tu es là pour là. Mais généralement, pelle, et oiseau leur tenant, il n'y a pas tout le monde là pour là.
S'il était toujours là pour là, ou t'as inconscient à la souffrance que cela provoque. Mais des fois, ça pire là, c'est pas ça qui vaut là. Parce que si les rivaux là ont été mou, pas t'as souffri. Mais ça pire là, c'est les rivaux là, et puis tout, ou vivant pour vivre dévastation, détresse, souffrance que ça a porté dans ta vie. Donc voilà l'homme de Dieu qui est pris au piège de l'ennemi. Voilà cette servante du Seigneur qui est attachée au filet de Satan. Voilà ce prédicateur de feu qui se trouve imbriqué dans un scandale. Voilà une église qui a toujours servi Dieu avec force et puissance, se trouve dans un dédale de malheur ininterrompu. Et question, un pile monde a tendance pour y opposer, dans le moment où nous prenons pelle, quand mon Dieu y est, où est Dieu face à cette situation de crise? Où est Dieu face à l'ennemi qui me tend des pièges? Où est Dieu face à la peste qui ravage mon corps, qui ravage mon âme, qui ravage mes pensées, qui ravage mon esprit? Où est Dieu dans tout cela? Mais yon, le bagage que je remets dans le texte là, s'il parlait de piège, il parlait aussi de protection. Protection a fini. Lui dit comme ça, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous pourrons tourner sous ça tout à l'heure, et puis nous pourrons tourner sous l'autre là, métaphore là, quand il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Nous pourrons tourner sous ça. Et puis tout ce côté moi, c'est que il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Maintenant, vous avez besoin de comprendre, ici, il y a vous avez besoin de deux bagages, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de connaître qui ça a un bouclier et vous avez besoin de connaître qui ça a un cuirassier. Un bouclier en anglais, c'est ça, oui, un shield. C'est une armure de guerre ou bien une arme que vous utilisez longtemps les opérations dans la guerre. Ce n'est pas tant une arme offensive. Mais sous armes défensives. Et pour moun qui kon gade movie et film de guerre, ou après des fois, moun nan kon gen nan men gauche li, si son moun ki droite, ou après kon gen nan men gauche li, yon sorte de plaque qui kon wo, qui couvre épaule li jusqu'à piel, et puis tout, c'est avèl, lorsque yon tiron épée, li bloke l, lorsque yon tiron javelot, li bloke l, yon rele sa, yon bouclier. Mais, le chrétien, n'a pas dans la fidélité de Dieu seulement un bouclier. Texte a dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. M'dou qui sa bouclier a e. M'dou bouclier a son bagay moun nan kembe nan men pour le bloquer kou. Son bagay moun nan kembe nan men pour le parer kou. Ça veut dire, m'vim senti pour m'di ou, des coups vin sou ou, ou a besoin rentrer dans la dimension pour connaître la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu li décrit comme cet attribut divin qui fait bon Dieu pas qu'arriver là ensemble avant pour laguer ou. Bon Dieu pas jamais abandonner ou. Bon Dieu pas jamais quitter ou pour kou. Et puis tout armé de cette conviction, armé de cette parole, armé de cette promesse, armé de cette confiance, et puis tout le mal est arrivé, il a tiré mal est sous, et puis tout bloqué, il a tiré problème sous, et puis tout bloqué, il a tiré difficulté sous, et puis tout bloqué, et il a tablé frappe en finance sous, et puis tout bloqué, il a tablé frappe avec inquiétude, et puis tout bloqué, il a tablé frappe avec la peur, et puis tout bloqué, il me sentit pour me tout côté, râle les âmes, et puis tout bloqué, Bible la dit, fidélité mon Dieu sous âme, râle les âmes non bloqué. Quel que soit champ économie à venir, je pas peur parce que je bloque. Quel que soit champ maladie à venir, je pas peur parce que je bloque. Quel que soit ça, je ne pas peur parce que je bloque. Bible a dit, fidélité mon Dieu, son bouclier qui paraît flèche, qui paraît zame, qui paraît coup, qui paraît roche, qui paraît quel que soit lié à, quel que soit sa lié à. Je sentis pour tout, rentrer dans le monde spirituel, rentrer dans le monde de la foi, rentrer dans le registre du combat spirituel et pour tout croire. Non, ça, bon Dieu, dit, les dit la voix, quoi la veille, les dit ou camper, quoi le camper, les dit ou pas mourir, quoi pas mourir, les dit ou pas battre, quoi pas battre, les dit ou pas affecter, quoi pas affecter, sa fidélité est un bouclier. Et bagaille, quand fini dans la vie, ou a besoin qu'on nous comment pour bloquer. Des situations qui a présenté devant, ou a besoin qu'on ait
Comment? Pour bloquer. Aïe, aïe, aïe. Il y a encore, nous avons parlé avec un monde. Si on est lié. Et puis tu dis mon parole, pas que doit jamblier. Il dit, pasteur, I want to tell you something. You see, mon travail, même qu'on est provision, c'est pas travail avec moi. Mais provision, c'est dans bon Dieu le souci. Amen. Là où on croit ça, là où on croit que bon Dieu est capable, nous connaissons nous, yo voyons nous chita la caille nous, nous connaissons nous qui perdu travail nous, nous connaissons nous qui a demandé qui ça s'est fini, même v'lin la matin pour me dire, la fidélité de Dieu est un bouclier, la fidélité de Dieu, c'est un pare-balles, quel que soit Jean Vini, bloqué-le, quel que soit côté le passé, bloqué-le, quel que soit Jean présenté, bloqué. Fidélité est un bouclier. Maintenant, il pas dit fidélité a seulement son bouclier, non? Mais dit la fidélité est également une cuirasse. Et then, me poser bon Dieu question. Si ou bon bouclier, pour qui raison ou obligé bon mon cuirasse mettre des dolles? Comprendre que bouclier son bagaille ou utiliser pour bloquer mais cuirasse là son bagaille ou mettez en dedans pour protéger. My God, comment t'as expliqué ça? Si frère c'est police policier monsieur qui a zam nommé mais gèlè moi je parle la cala moi je sorti Jean bombé on pas comprendre. Comment monsieur fait bomber? Comment monsieur fait gros? Comment ça passe? Si frère qui t'a quitté la caille là, l'aide t'a quitté la caille là, il n'y a pas de bomber comme ça. Et selon sa loi, tu dis, au monde, ou pas bomber, j'en ai que ça, moi, n'ai que ça bomber, hein, overnight. This is something that happens gradually with time. Et puis, tu l'aimes pas être sous monsieur, moi, monsieur bomber. Et tout l'aime pas être monsieur, moi, monsieur qui a un gros estomac. Et puis tout me paraît être monsieur. Et puis tout m'aime, monsieur. L'aime-moi, monsieur. Me sorti en bas, rap, monsieur. Gon bagay. Et puis tout l'aime-moi, bagay, la moisson bagay qui dit. Mande, monsieur, qui ça est? Ça qui en bas radoua. Monsieur dit, son bagay, la police balle, y'aurait l'aile par balle. My God, par balle à son bagay, ou mettez sous, ou mettez en dedans, ou mettez en bas, les au bon balle, et puis tu y'a pensé balle là, c'est en don la partie, et puis tout t'en les balles la partie, c'est pas où le prend, c'est armé à le prend, c'est cuirasse là le prend, c'est par balle à le prend, ni la bon Dieu, ou qui doit m'a marcher comme ça, et puis tout m'pompe, ou doit m'pa être comme ça, et puis tout m'pompe, dans le monde spirituel, ou qui doit pas rien, dans le monde naturel, ou qui doit pas rien, dans le monde physique, ou qui doit pas rien, mais en tombe bombé, en tombe bombé, en tombe go cuirasse, en tombe go protection, en tombe go gil parabale. Bible a déclaré, fidélité mon Dieu a protégé dehors, mais fidélité mon Dieu a protégé en temps, fidélité mon Dieu a protégé de Samoué, fidélité mon Dieu a protégé de Sambakawe, fidélité mon Dieu a protégé de Samkaé Panier, mais fidélité mon Dieu a protégé de Sampaka et Panier. Donc là, je fais prudence, prudence face, fidélité mon Dieu protège-moi. L'aime pour précaution, précaution face, fidélité mon Dieu protège-moi. L'aime fait tout ça, me doit faire, me laver mes, me donner social distancing, et puis tout ça passe, et puis tout mon Dieu dit, don't you worry, you do your part, and I do my part. Ma fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quand on est la taille, levez-moi là, dis alléluia. La fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il y a des bagailles, bouclier humain. Il ne doit pas faire. En d'autres termes, je me dis, bon Dieu, pourquoi il soit dit ça? Bon Dieu dit, je veux connaître que tu as une protection doublée.
Bon Dieu dit, I want you to understand that you have a double protection. You are protected from without and you are protected from within. Et là, mande qui ça protection en dedans qu'a fait pour moi. Et puis tu me tendais serviteur qui dit aïe aïe aïe, ça qu'en dedans là. Il est plus fort parce que ça qui est dans le monde là. Aïe aïe aïe, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça c'est une métaphore de protection. Mais il y a un qui tellement fort, je ne peux pas aller sans pas jouer. C'est le dire comme ça. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Généralement, lorsque mon Dieu a utilisé métaphores oiseaux qui ont pour avec lui-même, il y a deux volailles. Bon Dieu généralement utilisé pour parler de sa personne. Bon Dieu utilisé l'image de l'aigle et bon Dieu utilisé l'image de la poule. Vous ne pas comprendre. Aigle, ce bagage qui est tellement haut. Et poule, son bagage qui est tellement bas. Pour qui raison? Le bon Dieu a parlé, l'a utilisé, oiseau, comme une figure des biens, des grâces, des faveurs qu'il prodigue à ses enfants. Tantôt, l'a utilisé, figure aigle. Tantôt, l'a utilisé, figure poule. Bon Dieu utilise elle, par exemple, ou attendez comment bon Dieu a parlé à peuple. Ou attendez elle parler à peuple dans Exode, amen, dans Exode 19, verset 4. Il dit, c'est moi qui t'ai porté sur les aigles, sur les ailes d'aigle. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, là, on t'a mis dans dehors. Hein? C'est bon Dieu ordinaire. Je te prends et puis tu me voles. Ouah! Ensemble avec. L'aigle, c'est lui qui contrôle en l'air. L'aigle, c'est lui qui vole. Ouah! L'aigle parle de la puissance de Dieu, de sa perspicacité. Mais bon Dieu utilisait l'image poule. C'est pas l'air, la poule était petite, li, non? Mais c'est l'air. La couvrir petit lit. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ou tendez Jésus, amen, qui utilisait même métaphore là. Dans Matthieu chapitre 23, verset 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais tu ne l'as pas voulu. Je ne peux comprendre qui sa texte a été dit. Parce que comprendre qu'on a l'en dehors, même pas grandi en dehors. Et puis tout, c'est un Américain qui vit à la campagne, qui a dit ça qui a passé. Il dit comme ça, là, on mal fini à voler. Poule là, fou bagaille terrible. Il dit, poule là, chita à te. Il n'est pas campé. Poule là, chita à te. Et puis tout le poule la chita à terre. Et puis tout poule la go cri li baye. Et cri sa poule la baye là. Tout petit poule la qu'on est. Depuis que li baye cri sa, yo en danger. Et puis tout pendant poule la baye cri. Et puis tout le chita. Et puis tout même le chita le fond bagaille terrible. Le chita. Li ouvert c'est li. Amen. Et puis tout petit poule là qui t'en écrit, qui connaît malheur danger, qui connaît rivière danger, qui connaît problème dans la zone. Et puis nous petit poule là, rentrez en bas celle-là. Amen. Petit poule là, rentrez en bas celle-là. C'est ça que ce texte a dit. Il te couvrira de ses plumes. Amen. C'est
ça que fait dans premier message là. M'te dit comme ça, get there, rentrer en bas là, rentrer en bas protection, que mal fini qu'a volé, rentrer en bas celle mon Dieu, que diable qu'a volé, rentrer en bas celle mon Dieu, que démon qu'a fait des gars, rentrer en bas celle mon Dieu, que corona qu'a tué monde, rentrer en bas celle mon Dieu. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira. Il te couvrira. Oh God, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il y a un problème. Texte a dérangé. Texte a nuit moi. Et puis tout cela évoque à la mémoire les souvenirs de l'enfance. Tout le monde qui t'a grandi à Haïti, qui t'a dans le cas et qui t'a joué poule, ou après nous compte que poule là, il y a deux qualités plumes. Et yon pi red passe l'autre. Zel poule là, gon type de plume qui poit au volaille. Mais lorsque commence à arriver zone en haut cuisse poule là, lorsque commence à arriver zone en bas celle poule là, gros type de plume. Plume ça sont plume qui fait. Plume ça c'est pour plume raide non. Son plume qui fait. Le texte a dit il te couvrira de ses plumes, la parler du confort. Et puis tout, l'édime te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, la palème de protection. Donc, plume par la bon Dieu. Quel baf, ou prend. L'on rentre en bas, plume non. Et puis tout, plume non consolé. Ouais. Plume non passe mes sous. Je sens que mon Dieu a tout consolé au côté. Ou même qui sont lits d'hôpital, consolé au côté. Bon Dieu a une capacité, amen, pour consoler petit lui. Bon Dieu a une capacité pour le réconforter petit lui. Je connais un prend mauvais coup, c'est vrai. Je connais un ennemi en frappe, c'est vrai. Je connais un dérangé col pour finir avant, c'est vrai. Mais l'or rentré en bas, mon Dieu, où jouer une consolation. Ou jouer un réconfort. Plume dans son plume qui douce. Plume dans son plume qui agréable. Plume dans son plume qui extraordinaire. Plume dans son plume qui agréant. Et puis nous rentrer en la plume non. Rentrer en la plume non. Rentrer en la plume non. Et me parler aux paroles de confort sous la vie au petit bon Dieu. Moi prononcer une parole de consolation dans la vie au petit bon Dieu. Moi prononcer une parole d'encouragement dans la vie au petit bon Dieu. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. God will do it. God will do it. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bon Dieu pas promettre nous que dans la vie nous pas prendre un piège. Mais bon Dieu fait nous connaître qu'il est capable de nous dégager des pièges. Bon Dieu qu'on nous était petite lit dans pelle. Bon Dieu qu'on casse les filets. Bon Dieu, qu'on pète les chaînes. Et des fois, il y a un filet, l'éternel qui était pour la dent. C'est parce que je voulais mener nos niveaux qui pire. But, before I get there, je suis presque fini. Il y a un problème avec la sémantique du texte, la syntaxe du texte. Serviteur Findim, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri
du très haut. Ça, c'est El Elyon. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est El Shaddai. Il dit, je dis à l'Éternel, ça c'est Yahweh. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, ça c'est Eloi, en qui je me confie. Mais souffle une team toute bagaille ça yo. Pour qui elles ont obligé, je dis, c'est lui. Pour qui elles ont, ou bam, cette spécificité, c'est lui. Pas opposition à ce n'est pas lui. C'est lui. Pas opposition à qui il n'est pas. Ou à qui n'est pas. C'est lui. Parle de ce qui est, de l'identité, de la clarification, de la spécificité par rapport à celui qui n'est pas. Pour qui ils ont toute spécificité, ça y est. C'est parce que bon Dieu fait comprendre que ses enfants, le croyant, monde qui croit, la délivrance va arriver. Et elle arrivera certainement. Mais bon Dieu voulait où qu'on est, qui côté délivrance en sorti. Why? C'est parce que si ta vision, ta compréhension de la délivrance est mal placée, si ta compréhension de la délivrance est mal orientée, tu seras amené à donner crédit à une personne qui n'a pas droit au crédit. Si ou pas qu'on est le Dieu de ta délivrance, l'on délivré ou qu'a pensé c'est moun qui délivre ou. Mais bon Dieu voulait qu'on connaît ou a délivré. Et bon Dieu voulait qu'on connaît qui est-ce qui délivre ou. My God. C'est ça que fait dans la vie. Depuis c'est moun qui fait bien, me dit oh merci. D'ailleurs, il y a moun qui pas même voulait faire bien. Bon Dieu forcé au faire bien. Me dis oh merci. Même qu'on est en dame, délivrance non c'est bon Dieu que ben moi non. Me connais en dame, élévation c'est bon Dieu que ben moi non. Me connais en dame, force là c'est bon Dieu que ben moi non. C'est ça que fait, m'a dit tout le monde merci. Même pas adorer personne, me pas traîner devant personne, me pas flatter personne, me pas faire petit sous dans mes pièces monde. Si bon monde qui mérite adoration c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui lève haut, c'est bon Dieu qui fait haut avec, c'est bon Dieu qui campe haut, c'est bon Dieu bon option, c'est mon Dieu qui met en dedans, c'est mon Dieu qui va délivrance. L'Ita utilise au monde, l'Ita utilise au prochain, l'Ita utilise au pasteur, l'Ita utilise au homme de Dieu. Mais monde qui délivrera, non le relais, l'Éternel des armées. C'est lui qui te délivre. Isaac fait me dire tout le monde, bon Dieu fait me grâce. Pour me prier avec vous. Et puis tout pour prier à exaucer. Je me dis tout le monde, chrétien, c'est pas moi. Chrétien, c'est mon Dieu. Parce que l'homme n'a pas qu'à délivrer. L'homme n'a pas qu'à sauver. C'est lui qui te délivre. Et God, je comprends qu'on n'est pas toujours préservé. Mais tu délivres toujours. Parce que, ma montre ça à l'avenir. Des fois, la mort doit paraître une défaite apparente, mais la mort doit la plus grande délivrance que Dieu peut donner à un croyant. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Ce que tu penses être la plus grande fatalité de ta vie, peut-être la plus grande bénédiction de ta vie. Il y a un prédicateur. I'm closing now. Il y a un prédicateur dans le 19e siècle, 20e siècle, qui était relé William Cushing. Maintenant, William Cushing est un prédicateur de la parole, un interprète de la Bible, un commentateur des évangiles. Et tout le monde connaît, il y a un outil qui est indispensable au métier de la prédication, c'est la voix. La voix. C'est un outil qui est indispensable au métier de la prédication. Vous te mettre qu'à parler, qui est toute qualité, donc sous-père du voix, ou fini.
te mettre qu'à chanter ou perdre du voix au fini. Même j'en tout, yon nan plus gros atout qu'un joueur de basketball gain, c'est son conditionnement physique. Si pied le cassé, il pas qu'à jouer. S'il fracture, il pas qu'à jouer. Même j'en, yon nan atout qui est indispensable. Au pianiste gain, c'est doit li. Si doit li couper, il pas qu'à jouer. Si doit li couper, il pas qu'à fonctionner. Nèg sa ka prêcher l'évangile. Nèg sa camper devant le peuple de Dieu qui a enseigné la parole. Et puis tout monsieur qu'on seule maladie qui tombe sous lui, li bébé. Li perd du voile, li pas qu'à parler. Monsieur prier. Monsieur prier. Monsieur prier. Dit bon Dieu pas répond. Mais monsieur observait que pendant le perd du voile là, gon bagay li te gande dans qui pas jamais développé. Bon Dieu pour le faire développer. Son nec qui te quand écrit hymne. Et puis tout pendant monsieur pas qu'à parler, monsieur pour le commencer écrit. Et yon aïe aïe aïe. Me pensais que nous pas jamais entendre parler de prédicateur ça William Cushing. Si bon Dieu pas retirer voile. Des fois bon Dieu retire un bagage pour capable bon une influence qui plus grande. Des fois, bon Dieu, retire yon bagay pour capable ba ou gade, pour capable vos valer terrain dans l'autre dimension. Des fois, l'Éternel rache bekia pour capable apprendre comment pour marcher. Et puis tout, monsieur tombe écrit hymne. Il y a rapporté que monsieur écrit plus que 300 hymnes. Mais il y a un hymne que monsieur écrit qui jusqu'à présent fait gros dégâts dans le monde chrétien. C'est hymne qui est Under His Wings. Maintenant, Under His Wings. Gan pile moun ki pa comprendre ça lié, m'a demandé pour mettre pour moi en anglais Under His Wings. Mettez sous tableau pour moi mettez sous écran parce que m t'a prendre moun yo wè ki ça m'a parlé et pour moun ki pa parler anglais, nous pral expliquer ki ça lié. Maintenant, yon Under His Wings, en pile moun pa comprendre puissance li parce que yon nan bagay ki passé avec traduction. C'est que la force de la poésie et la force du langage est parfois omise. Et il y a un bagaille qui dit dans le texte original là que le monde qui par contre texte là a perdu. Mettez-le pour moi s'il vous plaît, Under His Wings. Et mais qui ça, monsieur, dit dans le bagaille ça, Under His Wings. Attendez, qui ça dit pendant que mettez-le pour nous. Et pendant que mettez-le pour nous, Mabdou, mais qui est équivalent en français. Mais c'est en anglais, mettez-le pour nous. En français, c'est chant qui dit. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure. En lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse, agit son bras puissant. Mais dans le cantique Under His Wings, là, ou après le pagué près de Jésus là-dedans même. Mais comment il dit dans Under His Wings? Il dit Under His Wings. I am safely abiding, though the night deepens and tempests are wild. Still, I can trust Him. I know He will keep me. He has redeemed me, and I am His child. Et puis tout, verset, bon refrain. Et puis tout, refrain dit, under His wings, who from His love can sever. Under His wings, my soul shall abide, safely abide forever. M'a demandé pour mettre le back en créole pour moi, back en anglais, the first one, back en anglais. Et, ce que j'aime tout, les gens disent en français, ou manqué, ils disent près de Jésus. Ça, c'est pas ça, dit là. Pendant ma traduit en anglais, mais ça, le table, ils disent, en bas, moi demeurer en sécurité. Même si nuit là vin pi noir. Nan vent vin pi fort. Moi fais confiance. Moi connais la kembem. Li te sauve moi ce petit li. Amen. Et puis tu refrain dit en bas celle-li. Oh God. En bas celle-li. Qui moun ki ka vin retirer moi? En bas, c'est lui. C'est là, m'a prêté. M'a arrêté
pour tout temps. Oh, au cas où pas de compte ça, Seigneur, vient voir me dire matin, you are covered. You are covered. Ou couvri en bas zèle, ou couvri en bas grâce, ou couvri en bas mantoli, ou couvri en bas puissance, ou couvri en bas robe. Et quand on y est, on y est pas arrivé au nom de Jésus de Nazareth. Oh, regarde. Pendant ce Yassou Kobral chanté, près de Jésus, je trouve un surasile, en bas zèle, moi en sécurité. Et si mon ciel est parfois menaçant, nous chantons en français, c'est parce que nous connaissons plus pour nous suivre nous qui parlons français à créole que nous qui parlons anglais. Et pendant que nous avons chanté cantique ça, nous t'apprenons qu'on connaît qu'on couvre côté. Bon Dieu couvre. Bon Dieu couvre au frère. Bon Dieu couvre. Maman, ma papa qui New York. Bon Dieu couvre. Famille qui vivent New York. Bon Dieu couvre. Moun qui vivent Boston, North Carolina, Georgia. Bon Dieu couvre. Ça qui vit Washington, bon Dieu couvre. Ça qui vit en Europe, nous-mêmes frères, ma soeur, de la France, de la Suisse et de la Belgique, bon Dieu couvre nous. Frères, ma soeur, en Haïti et dans les Antilles, bon Dieu couvre nous. Si là, au cap suivre nous depuis l'Afrique, ça qui suivre en Asie, depuis la Chine, bon Dieu couvre nous. Frères, ma soeur, Sinaï, que je ne suis pas capable de voir. J'aime qu'on habitue ouais, nous en masse, en foule, côtoyer la caille. Bon Dieu couvre. Nous espérons que nous avons été bénis par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou faire via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou gen droit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de kotoye et gens qui pi facile pour ou. Nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former moun, édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guéons dans deux plans mes papa bon Dieu et nous dit bon Dieu remet nous remet tout. Bye bye.